Et salut à tous, c'est Angel038 et donc une petite vidéo spéciale, c'est une vidéo IRL cette fois-ci, parce que j'ai profité des soldes et donc je me suis fait un petit plaisir. Alors tout d'abord, de quoi il s'agit? Et c'est simple, regardez, ça c'est mon fauteuil. Voilà, il a bien vécu, hein, et il est au bout du rouleau le garçon. Et du coup, j'ai profité des soldes et on va aller voir. J'ai acheté un chat. Non, je rigole. J'ai acheté un petit fauteuil DX Racer. Et donc, pour info, chers abonnés, sachez que dans ce fauteuil, il y a une petite partie de vous, parce que les petits revenus qu'ont apporté la chaîne, c'est pas grand-chose, hein, mais on contribue un tout petit peu dans l'achat de ce fauteuil. Donc, malgré tout, merci à vous. Et donc, on va procéder au déballage. Alors, on ouvre le carton, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, on a l'étoile pour les roues. On va tout mettre de côté, hop, le chat. Un petit carton de protection. Le dossier du siège. Alors attention, hein, ça fait pas rigoler. Là, on a vraiment du siège bike. Hein. Et en plus, le plastique, hein, bien marqué DX Racer. On a les petits coussins pour les lombaires et puis pour le cou, donc ça c'est sympa. Et l'assise, pareil. Donc ça a l'air bien sympathique tout ça. Il me tarde de faire l'assemblage. Et puis pour finir, on a ça c'est le carton avec la visserie. Bon, on verra plus tard, c'est tout scotché au fond. On va faire le montage du fauteuil et puis on se retrouvera après. Et voilà, le fauteuil est monté, donc il a pris sa place, tranquille. Qu'est-ce que je peux dire sur ce fauteuil? Déjà, c'est qu'on est vachement bien assis, on est bien maintenu au niveau des lombaires, et on est bien calé sur le siège. Ce qui m'a fait bizarre par rapport à mon siège précédent, c'est l'assise qui est plus courte que mon ancien fauteuil. En fait non, je vous mets pas les deux à côté parce que l'autre il est tellement dégueulasse que je préfère encore pas le montrer. Donc ouais, l'assise pour moi qui est plus courte, donc au début ça m'a fait un peu bizarre. Le coussin des lombaires, après ça dépend si on est grand ou petit, ça peut être intéressant de le mettre. Moi personnellement, vu que je suis pas très grand, du coup le coussin des lombaires je ne l'ai pas mis. Après ce qui est pas mal, donc on a dessous, on a la molette pour régler la dureté du siège. Alors on voit que c'est quand même vachement de la qualité, hein, parce que l'armature en dessous est en acier, en alu, enfin je sais pas, c'est en métal en tout cas. Et c'est quand même bien foutu. Il y a des belles agrafes pour attacher le tissu, etc. Donc c'est vachement bien fait. On a la molette sur le côté pour monter et descendre le siège, et pour verrouiller le siège en bascule. Quand on se met en arrière, hein, pour qu'il bascule ou pas le siège. Après il y a les accoudoirs qui se règlent en hauteur, donc ça c'est pas mal du tout. Et vraiment, vraiment on est vraiment bien assis dessus, hein, et puis ça a vraiment une belle allure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit unboxing et donc changement de décor, si je puis dire. J'ai hâte de le tester en faisant de la F1 ou autre jeu de voiture. Donc je vais tester tout ça prochainement, je vais voir si on est bien calé dans le fauteuil. Surtout s'il glisse pas, parce qu'il roule vraiment bien par rapport à l'autre. Et surtout sans bruit. Mais j'espère surtout qu'il va pas glisser et que je vais pas être embêté avec le pédalier. Donc on verra ça à l'utilisation. En tout cas, très très bon achat, je l'ai acheté 271 € sur Cdiscount. Il était en promotion, là il est remonté à plus de 300 €, mais vraiment une belle pièce. Pour finir, je voudrais juste ajouter qu'il existe en plusieurs coloris. Moi je l'ai pris en gris et noir parce que ça me plaisait, et puis surtout que c'était le seul qui était en version complètement tissu et disponible. Et puis aussi, j'ai pas parlé, c'est la molette qui est sur le côté droit qui permet d'incliner le dossier, on dirait un peu comme un frein à main. Non, vraiment, je suis très satisfait de cet achat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et des pouces bleus.
En attendant, portez-vous bien. Rendez-vous ce soir pour la FAQ 10K des Piélos, même 11K maintenant. Donc rendez-vous ce soir. Portez-vous bien. Allez, à plus. Ciao, ciao.